Je sais qu'il y a ceux qui disent non, il ne faut jamais mentir, machin truc, ma personne. En business, tout le monde ment. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est... Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, you know. Aujourd'hui, j'ai eu envie de partager une toute petite histoire avec toi, donc reste bien attentif parce que cette histoire va être courte, précise et concise. L'histoire que je m'en vais te raconter, c'est l'histoire de l'ancien homme le plus riche au monde, le créateur de Microsoft, le nommé Bill Gates. Aujourd'hui, je crois que c'est la troisième fortune mondiale. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, la fortune de Bill Gates naît en fait d'un gros, gros, gros mensonge. Donc, écoute bien ce qu'il va suivre. Donc, en fait, Bill Gates, c'était un jeune garçon qui concevait des petits programmes quand les ordinateurs venaient encore de naître, venaient de voir le jour, quoi. Donc, un jour, parce que sa mère travaillait avec IBM, un jour, elle entend parler les employés de IBM, les cadres. Et les cadres leur font comprendre qu'ils sont en train de se rendre compte que le personal computer, l'ordinateur de bureau, est en train de prendre de l'ampleur dans les foyers. Et ils sentent le bon filon et désormais, ils veulent aussi s'emparer de ce marché-là. Seulement, il leur manque une chose, le système d'exploitation pour faire fonctionner un personal computer. Aucun ingénieur de IBM ne sait concevoir un tel programme. Donc, la mère de Bill Gates, puisqu'elle avait vent de cela, elle sait que son fils a l'habitude de bidouiller avec l'outil informatique. Donc, elle se dit, tiens, peut-être que mon fils peut créer quelque chose qui pourra réussir à répondre à ce besoin-là. C'est comme ça qu'elle va voir les cadres de IBM. Elle leur fait comprendre que son fils Bill Gates peut créer un logiciel comme celui-là. C'est donc comme ça que de fil en aiguille, les directeurs de IBM convoquent Bill Gates directement chez IBM et ils lui posent une question. Bill Gates, est-ce que tu es capable de concevoir un tel programme? Bill Gates n'avait jamais conçu de programme comme celui-là. Mais puisqu'il est informaticien et qu'il avait le sens du business, c'est ce qu'il a dit. Eh bien, il a menti. Il a dit oui, je peux concevoir un tel programme. Je l'ai même déjà fait. Donc, c'est comme ça que Bill Gates, une fois qu'il va gagner ce marché-là, il va aller voir un de ses amis qui est un geek en informatique et il va lui demander justement de concevoir ce logiciel pour lui. Donc, quand le mec va concevoir, Bill Gates va l'acheter à quelques milliers de dollars et il va mettre son nom dessus. Il va l'appeler MS-DOS, plus tard qui va être appelé Microsoft. Et c'est comme ça qu'il va repartir chez IBM pour leur vendre son système d'exploitation. Et là, l'ingéniosité de Bill Gates ne va pas s'arrêter là. Parce que IBM va vouloir acheter son système d'exploitation à plusieurs millions de dollars. Bill Gates va dire, non, je ne vous vends pas mon système d'exploitation. Par contre, je veux qu'on fasse un deal. J'aimerais que sur chaque ordinateur que IBM va concevoir et installer mon système d'exploitation, eh bien, je veux percevoir 3% sur chaque ordinateur qui va être vendu par IBM. Le marché est conclu et c'est donc ce petit mensonge et ce petit côté visionnaire qui va permettre à Bill Gates de devenir quelques années plus tard l'homme le plus riche du monde. De cette petite anecdote, j'aimerais que tu puisses tirer trois leçons. La première leçon, c'est que lorsque tu te lances en business, dès lors qu'il y a une opportunité qui se trouve dans ton secteur d'activité, tu ne dois jamais dire « je ne sais pas » ou « je n'ai pas ». Jamais. Les gens pensent souvent que les opportunités vont venir se présenter là avec la tenue et dire « ça y est, c'est moi l'opportunité de ta vie ». Mais jamais de la vie. Les opportunités se présentent comme ça. Maintenant, c'est à toi d'avoir le bon mindset pour les saisir.
Je sais qu'il y a ceux qui disaient non, il ne faut jamais mentir, machin truc, ma personne. En business, tout le monde ment. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce mensonge dessert ou sert les gens? Ça, c'est la question à se poser. La deuxième leçon à tirer, c'est que c'est un peu un prolongement de la première leçon, c'est que ma personne, s'il faut mentir pour pouvoir atteindre un certain objectif, tout le monde ment, ma personne. Donc fais-le. Si Bill Gates n'avait pas menti en ce qui concerne sa capacité à pouvoir concevoir un tel logiciel, qui aurait connu Bill Gates aujourd'hui? Personne. Donc sache que en business, si tu n'es pas prêt à, comment dire, à transgresser les règles, entre guillemets, tu ne vas jamais faire fortune. Ça, c'est clair, net et précis. Tu ne vas jamais faire fortune parce que ceux qui sont prêts à transgresser les règles, c'est eux-là qui deviennent puissants et qui plus tard font en sorte que les règles qu'ils ont transgressées deviennent la règle. Parce que les règles que tu respectes aujourd'hui n'ont pas toujours existé. Ce sont des personnes qui sont venues et se sont dit, mais non, le monde va dans cette direction, moi je veux qu'il aille désormais dans cette autre direction. Et à la base, sa règle était d'abord considérée comme quelque chose de non légitime. C'est de ça qu'il s'agit. Je peux encore aller plus loin parce que beaucoup ne le savent pas, mais Bill Gates, les premiers programmes qu'il a pu concevoir, c'était justement en allant utiliser les ordinateurs de l'école pour ses propres recherches, alors que cela était formellement interdit. Il a même risqué l'exclusion. Il en est de même pour Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Ce sont tous des gens qui ont osé aller au-delà de la règle. Et c'est aussi ça, se lancer en business. C'est faire preuve d'audace, c'est faire preuve de, comment dire, à un moment, il faut aller au-delà. C'est dire, ok, tout le monde pense dans la boîte, moi je vais essayer de penser hors de la boîte. Mais bien sûr, aucune innovation ne vient de rien. D'abord, tu copies, tu apprends et c'est après que l'innovation vient. La troisième leçon qui est capitale dans l'histoire de Bill Gates, que moi j'ai pu tirer, c'est que tu ne feras jamais fortune si tu n'es pas quelqu'un qui est un visionnaire. Bill Gates avait déjà la vision selon laquelle les ordinateurs de bureau devaient être dans tous les ménages au monde. Il a eu cette vision et il s'est dit, là, voilà l'opportunité qu'on m'ouvre. Si j'ai décidé de prendre tout l'argent en one shot, je peux perdre gros. Donc, autant prendre juste 3%. Donc, je te laisse imaginer 3% de 1 milliard, combien ça peut coûter? De 10 milliards, combien ça peut coûter? Donc, voilà ma personne, les trois leçons que je souhaitais partager avec toi en ce qui concerne l'histoire qui se cache derrière le succès de Bill Gates. Son histoire se cache derrière un mensonge. Son succès est dû à une vision, mais aussi et surtout, son succès est dû au fait qu'il a accepté à un moment donné d'aller au-delà des règles. Donc voilà ma personne, la petite anecdote que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. Si tu as kiffé, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, you know. Et je tiens aussi à préciser que dès demain mercredi, ma formation « Comment créer, monétiser et faire exploser son business » grâce à YouTube sera disponible sur notre site internet argentlivre.com. Dans ma personne, tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais YouTube, c'est un excellent moyen de rentabiliser son business. Parce que si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Et YouTube, justement, te permet de faire connaître ton business à beaucoup plus de gens et donc plus tard, de les convertir en clients. Et pour ceux qui sont en Afrique, je n'ai pas là, j'ai l'habitude de le répéter ici, pour ceux qui sont en Afrique, pour moi, il n'y a rien de plus beau que de travailler en Afrique et d'être payé en dollars. Et le YouTube, c'est une opportunité pour tout le monde. Tout le monde peut se lancer sur YouTube et faire de la thune. Mais encore, il faut savoir comment s'y prendre. Et quand vous avez été nombreux à me poser la question de savoir comment faire pour se lancer sur YouTube, j'ai donc jugé bon de faire cette formation pour partager avec vous mes techniques clés qui m'ont permis moi aussi de commencer à faire décoller mon audience sur YouTube. Et donc, de capitaliser tout ça. D'abord, ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, ensemble, je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.